Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu des mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir, pour leur troisième participation, Annie et Jean-Pierre qui ont déjà empoché 6000 euros. Et aujourd'hui, ils seront opposés à Bénédicte et Christelle. Et tout de suite, on accueille, allez, notre James Bond national, n'est-ce pas Thierry? Thierry, ah bah voilà, oui, Beccaro. Ah bah là. Ah bah, ah là. Ah là, vous aimez, là, hein, hein, ça vous plaît? Et alors? Ouais, un mais peu je suis raide, bloqué. Un peu raide. Oui, mais je suis bloqué, là. C'est ça, c'est ce que je disais. C'est mon drame. C'est mon drame. Un peu raide. Voilà, c'est ça, je reviens là-dessus. Non, 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 mais voilà, c'est... Bah, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce non, que rien, j'ai dit? Tout j'essaie va bien, on va enchaîner, en fait. Vous m'annoncez comme James Bond, bah, voilà. Donc, c'est vrai que, bon, voilà. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver et de vous souhaiter une belle fin de matinée sur France 2. Merci pour cet accueil chaleureux. C'est un grand plaisir pour moi de retrouver Jean-Pierre et Annie. Parce que d'abord, ils sont hyper sympas. Ils sont mari et femme. Ils se font des petits bisous quand ils trouvent les mots. Ça, c'est génial. Ils ont déjà gagné 6000 euros depuis deux jours. Là, c'est la dernière participation. Et puis, vous êtes des super candidats. Merci. Merci. Je ne peux pas mieux vous présenter, hein. Mais je vais vous présenter quand même Christelle et Bénédicte qui sont avec nous pour la première fois. Oui, oui, c'est ça. Vous venez de quel endroit, Christelle? Toulouse. Toulouse? Oui. La ville rose. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites à Toulouse, Christelle? Alors, je suis assistante de gestion dans la finance. Et vous nous regardez régulièrement? Oui. Vous avez grandi avec Motus? Oui, tout à fait. Ben, moi aussi. Moi aussi, je suis en train d'atteindre, enfin, je rentre dans mon adolescence. Voilà. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Bénédicte, merci beaucoup. Vous venez de quel endroit? Toulouse également. Toulouse. Ah, j'entends mieux. Voilà, là, voilà. Toulouse, là, j'ai bien... C'était mieux assumé. Toulouse également. Et qu'est-ce que vous faites à Toulouse? Je suis infirmière puricultrice. Très bien, merci d'être avec nous. Je commence par la distribution des grilles. Le numéro magique que vous attendez, le voici. C'est le numéro 23. Pour Annie et Jean-Pierre. Le numéro magique, c'est le numéro 10. Myriam, je voudrais connaître le montant de la tirelire. Avec grand plaisir, Thierry. La tirelire est de 1000 euros aujourd'hui. C'était l'accent de Toulouse? J'ai essayé, j'ai tenté un truc, mais je ne suis pas sûre. C'était bien essayé. Bon. Ouais, non, non plus, c'est pas... Non, enfin, son Nougaro, vous voyez? C'est presque ça. C'était presque ça. Presque. Donc c'était presque James Bond et c'est presque Claude Nougaro. Bon, ben, je crois que je vais rester moi-même, c'est le mieux, non? Ouais. Ah ben merci pour vos encouragements. Ah, ça c'est génial. Je reste moi-même, oui. C'est bien, tu sais que c'est bien quand tu fais Beccaro, c'est bien. Très bien. Bénédicte, nous jouons avec des mots de... 8 lettres. Des mots de 8 lettres. Voici, Bénédicte, la lettre S. Soupière, S-O-U-P-I-E-R-E. Sourisseau, S-O-U-R-I-C-E-A-U. À tout à l'heure, Christelle. Annie, attention, la lettre bonus. Le A. Souriant, S-O-U-R-I-A-N-T. Ça, c'est le problème. Le problème avec Annie et Jean-Pierre, c'est que si vous perdez la main, il faudra patienter un peu avant de la retrouver. Voilà. Vous mélangez Annie, s'il vous plaît. Ah, on a envie de la retrouver. Voilà. Oui, finalement, vous voyez. On a peut-être une chance. Une petite boule noire, ça change tout. Bénédicte, voici le C. Cheminée, C-H-E-M-I-N-E-E. Croupion, C-R-O-U-P-I-O-N. Couloir, C-O-U-L-O-I-R-S. Cabossé, C-A-B-O-2-S-E-R. Caissier, C-A-I-S-S-I-E-R.
Cambouis, C-A-M-B-O-U-I-S. Bon, on va mettre un petit carton. Tout est dans la grille, les lettres entourées de jaune, cambouis, avec un petit carton jaune hein, quand même, oui. Christelle. Vous mélangez, Christelle, s'il oui. vous plaît. Bon, Annie, c'est à vous de jouer. Voici la lettre D. Douanier, D-O-U-A-N-I-E-R. Dédouanier, D-E-D-O-U-A-N-I. Dénigré, D-E-N-I-G-R-E-R. Dénicher, D-E-N-I-C-H-E-R. Bravo. Allez-y Jean-Pierre. Le 8. Annie. Le 40. Vous avez 100 points pour l'instant, Annie, et vous jouez, s'il vous plaît, avec la lettre A. Aoutiens, A-O-U-T-I-E-N-S. Abouti, A-B-O-U-T-I-E-S. Argument, A-R-G-U-M-E-N-T. Ablution, A-B-L-U-T-I-O-N. Assurant, A-2-S-U-R-A-N-T. Anéanti. Complètement anéanti. Oui, vous vouliez dire anéanti. Mais là, vraiment, c'était le maximum, quoi. Anéanti. Vous l'avez trouvé, Bénédicte, j'en suis sûr. Voici la lettre bonus. Annulant, A-N-N-U-L-A-N-T. Et le I, par exemple, le I, le R. Annulant, oui. Mais oui, tout le secret, il est là. Il est là. Vous ne marquez pas, mais vous gardez la main, Christelle. Et vous jouez avec la lettre P. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N-E. Prêcheur, P-R-E-C-H-E-U-R-S. E-U-R, pardon. À tout à l'heure, Christelle. Annie, la lettre bonus, ce sera la lettre A. Parodie, P-A-R-O-D-I-E-S. Parvenu, P-A-R-V-E-N-U-S. Parcouru, P-A-R-C-O-U-R-U. Parloir, P-A-R-L-O-I-R-S. Ah. Alors. Alors, on a des voyelles, mais il faut les placer quelque part. Bénédicte, voici un I. Non. Ça, pour des Toulousaines, la Parigote, ça fait loin. Voilà. La Parigote, c'est ça, c'est une habitante de Paris. C'est un petit peu tout à fait. Un terme un peu argotique. Voilà.
On continue, Christelle. Vous ne marquez toujours pas. Mmh. Et voici le M. Manucure. M-A-N-U-C-U-R-E. Super. Médecin. M-E-D-E-C-I-N-S. Malouine. M-A-L-O-U-I-N-E. Mouchoir. M-O-U-C-H-O-I-R. Misogyne. M-I-S-O-G-Y-N-E. À 100. Vous êtes à égalité, donc ça va. Bénédicte, vous mélangez, s'il vous plaît. Le 43. Christelle. C'est le deuxième boule noire pour Christelle et Bénédicte. Alors, Annie, à vous. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E. Friterie, F-R-I-T-E-R-I-E-S. Ah. Tous les mots, je trouve, c'est 9 lettres. Il y a un petit coup de fatigue, là, chez Jean-Pierre, là, j'ai remarqué. Ouais. Bon, enfin, vous avez déjà 6000 euros, donc je comprends qu'à un moment donné, on relâche un peu la pression. En plus. Bénédicte, la lettre bonus. Le U. Futilité, F-U-T-I-L-I-T-E. Ouais. Très bien. Super. Super, Bénédicte. Bah, il faut mélanger, là. Le 35. Christelle. Le 21. Numéro 1. Alors, vous êtes en tête, hein. Vous avez 50 points d'avance. Christelle, c'est vous qui jouez à présent avec le V. Vivacité. V-I-V-A-C-I-T-E. Voleuse. V-O-L-E-U-S-E-S. Vivante, V-I-V-A-N-T-E-S. Vociférer, V-O-C-I-F-E-R-E. Vendange, V-E-N-D-A-N-G-E. Vive-t-on ? On va laisser parler Annie, qui va récupérer la lettre bonus que voici. Vivement, V-I-V-E-M-E-N-T. Vous pensiez à Michel Drucker, vous aviez la réponse. Voilà, vivement, vivement dimanche. Bon, Jean-Pierre, allez. –44. –Annie. –26. –Vous êtes à égalité. Très belle première partie, 150 à 150. Et c'est le moment que choisit Myriam. Exactement. Pour lever la main. –Pour pimenter encore plus le jeu, Thierry, c'est l'heure du dernier mot. Le dernier mot, il est pour vous, Jean-Pierre. C'est le mot qui rapporte 100 points et qui vous permettra d'aller en super partie. Voici la lettre N. Nuageuse, N-U-A-G-E-U-S-E. Nouveauté, N-O-U-V-E-A-U-T-E. Purée. Ah oui, là, le petit coup de fatigue. Premier erreur. Ah là là.
Bénédicte, attention, c'est important. La lettre bonus, c'est la lettre O. Nouvelle, N-O-U-V-E-2-L-E. Nargant, N-A-R-G-U-A-N-T. Négligé, N-E-G-L-I-G-E-E. Nouille, N-O-U-I-2-L-E-S. Ah, vous n'êtes pas la seule à souffler, parce que vraiment dans le public, les gens chez eux qui regardent l'émission... Bon, là, avec le I et le L, voilà. Eh bien, vous allez en super partie, Bénédicte, Christelle. Bravo. Vous détrônez les champions. Annie et Jean-Pierre, qu'on va applaudir très, très fort. Bravo. Voici quelques cadeaux pour vous. SodaStream vous offre la source métal, machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. On vous offre également un tracker d'activité MyCoach de BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Ça va Jean-Pierre ? Ça va bien. Annie, ça a été formidable, hein. On a passé trois jours très agréables. Ouais. Vous avez quand même gagné 6000 euros. Voilà, c'était important de le préciser. Bon, ben vous restez quand même avec nous pour accompagner celles qui vous ont détrôné aujourd'hui et qui vont tenter de gagner aujourd'hui 1000 euros. Voilà, ben je vous laisse retourner du côté de la Belgique. Merci beaucoup. Et puis, quand ça vous fait plaisir, vous revenez. Voilà, on était ravis de jouer. Vous voulez embrasser quelqu'un? Je le sens, je vois dans vos yeux. Bah, les enfants. Les enfants, voilà, Max, ouais. Ça c'est le chien. Ça va, c'est les clients du magasin. Comment il s'appelle le chien? Max. Max, oui. Parce que nous, on a un Max sur le plateau, mais bon, voilà. Vous voyez? Voilà. Max qui joue un rôle important parce que c'est lui qui s'occupe d'accueillir le mieux possible les candidats, qui fait que vous pouvez vous restaurer entre deux émissions, prendre un petit café. Sacré Max. Voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai tendance à lui dire « Max, rapporte !» Le café, les bonbons, va chercher les bonbons. Où sont les bonbons? Max, il n'en fait qu'à sa tête. Hein. Ah, moi, j'ai tous les bonbons. Toi, ça fait plaisir à papa. Hein? Que ça fait des bonbons sur la moquette? Que c'est quoi ça? Ah, c'est pas des bonbons? Alors. La super partie. La voici, je ne sais pas ce que. Bon, allez, à tout de suite. Demain soir, Cash Investigation inédit. Bonjour, c'est Élise Lucet. Alors que les caisses sont vides, l'État fait appel à des entreprises privées, quitte à passer de dangereux contrats. On a découvert que le Stade de Nice est une très belle opération pour Vinci. Ça, c'est pas le prix d'un stade, non. L'accord avec le géant américain Microsoft, un risque pour notre sécurité. Vous êtes en train de me dire que 200 000 ordinateurs du ministère de la Défense français peuvent être espionnés par la NSA? Oui. Pôle emploi sous-traite, mais pour quel résultat? Allez les interroger. Moi, je leur ai jamais demandé de créer un site avec des offres d'emploi périmées. Marché public, le grand dérapage, c'est dans Cash Investigation. Demain soir à 20h55 sur France 2. Motus continue avec les audioprothésistes Entendre. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus.france2.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le mercredi 16 novembre à Rouen, le 17 à Chartres, le 23 à Paris, le 24 à Calais, le 25 à Lens, mais aussi le samedi 26 novembre à Valenciennes. Alors n'hésitez pas à y composer à tout moment de la journée. Le 01 56 22 2000 ou bien rendez-vous sur motus.france2.fr. C'est beau de billet, hein. Ouais. 4 minutes 30. Donc je résume hein, pour Bénédicte et Christelle qui vont tenter leur première super partie. 4 minutes et 30 secondes. Voilà, ça c'est le temps que vous avez pour trouver 10 mots de 8 lettres. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous voyez, V-O-U-V-O-Y-E-R.
tout faire. Paqueté, P-A-Q-U-E-2-T-E. Paqueté, P-A-Q-U-E-T-E-R. Piquette, P-I-Q-U-E-2-T-E. Renoncer, R-E-N-O-N-C-E-R. Routarde, R-O-U-T-A-R-D-E. Richesse, R-I-C-H-E-S-S-E. Rendormi, R-E-N-D-O-R-M-I. Enfanté, E-N-F-A-N-T-E-R. Éolienne, E-O-L-I-E-N-N-E. Enfermé, E-N-F-E-R-M-E-S. Échappé, E-C-H-A-D-P-E-E. Enduite, E-N-D-U-I-T-E-S. Infecté. Effectif. Pas grand pis. Directif, D-I-R-E-C-T-I-F. Dérivant, D-E-R-I-V-A-N-T. Dériveur, D-E-R-I-V-E-U-R. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E. Finalité, F-I-N-A-L-I-T-E. Fraîcheur, F-R-A-I-C-H-E-U, non. Fraîche, F-R-A-I-C-H-E-S. Famille, F-A-M-I-2-L-E-S. Il faut le trouver. Il y a deux L. Flanelle, F-L-A-N-E-2-L-E. Yes, c'est ça. Cheminée, C-H-E-M-I-N-E-E. Calorie, C-A-L-O-R-I-E-S. Colloque, C-O-2-L-O-Q-U-E. Bravo. Soupière, S-O-U-P-I-E-R-E. Soudaine, S-O-U-D-A-I-N-E. Serveuse, S-E-R-V-E-U-S-E. Susurrer, S-U-S-U-2-R-E-R. Timbrage, T-I-M-B-R-A-G-E. Touaille, T-O-U-A-I-2-L-E. Tricheur, T-R-I-C-H-E-U-R. Traversée, T-R-A-V-E-R-S-E. Travesti, T-R-A-V-E-S-T-I. C'est pas mal. Et on va s'arrêter là, ça doit faire 8 mots, je pense. 8 mots, c'est pas mal. Il y a eu une petite erreur, malheureusement, vous vous êtes trompé de lettre, c'était sur effectif. C'est ça. Donc vous aviez de fortes chances, de toute façon, à un moment donné, de tomber sur le 11e mot. C'est en tout cas, pour une première, c'est pas mal. Hein. Franchement, vous avez un joli parcours. Il y avait 1000 euros à gagner. Puisque vous allez revenir, parce que c'est ça la bonne nouvelle, oui. Christelle Bénédicte, la prochaine fois, il y aura 2000. Et on se réjouit
de jouer avec vous. Merci. D'accord. Bah, passez une très très bonne journée. Nous serons là la prochaine fois et on sera nous aussi ravis, toute l'équipe de Motus et moi-même, de vous retrouver. Vous pouvez continuer à jouer avec nous sur le site motus.france2.fr, mais également sur les applications mobiles et tablettes.